Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le test de Steel Circus. Bim, envoie l'image. Steel Circus, un jeu qui a priori serait assez proche d'un Disc Jam. Et là je suis en train de réaliser que ça aurait peut-être été intéressant que je mette la manette. Bon, on va le faire au clavier, on verra si ça passe bien. Alors il y a une boutique, je regarde la boutique. D'accord, pour acheter des... Bah oui, pour acheter des choses. On peut obtenir des crèdes. Bah, c'est plus des crédits, c'est des crèdes. Donc on peut acheter des champions. Ouais. Ils n'ont pas particulièrement envie d'acheter, mais bon, pourquoi pas. Ouais, les skins. Des poses, des autocollants, des tags, ils ont tout mis. Je vois RB, LB, à mon avis, j'aurais mieux fait de mettre la manette, mais c'est pas grave. Ouais, c'est au clavier. Tutoriel, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Tutoriel basique, tutoriel avancé. Si ça se trouve, il faut que je fasse les deux. Bon, graphiquement, il est beau. Il est peut-être même mieux que. Graphiquement, il est mieux que ce qui tient. Sauf que là on a une vue donc sur le côté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Votre champion peut sprinter. Alors déjà je sais pas si. Ouais. Hop, on va passer en QWERTY. Parce qu'il fallait du QWERTY. Donc voilà, j'ai sprinté. Ah ouais, il faut la manette. Jeter la balle pour continuer le tuto. Ouais, il faut la manette. Ah, ça se joue pas du tout au clavier. Il n'y a aucune chance que ça se joue au clavier. Oula. On reste appuyé, ça augmente la puissance, ce qui est assez normal. Par exemple. Parfait, maintenant nous allons chercher un coéquipier, passer précisément le ballon à ton équipier, encore une fois maintenez le bouton lancé pour charger et relâcher. D'accord, là c'était juste un test pour voir s'il y avait un ciblage automatique. Ah ouais, faut être précis quoi, je vous dis faut être précis. Invitons un prochain adversaire, là, ce sera le premier adversaire même. Là. Vas-y, va. C'est bon, j'ai la balle. Alors, barrière. Tenez le bouton de compétence pour montrer où la barrière sera placée. D'accord. D'accord. La compétence secondaire se transforme en tourelle d'artillerie. Appuyez une fois sur le bouton de compétence pour transformer et viser et appuyez à nouveau pour faire feu, d'accord. Ouais. Pick up pour augmenter le. Diminuer le temps de. Ok. Il faut que je vois comment marche le mur parce que. Non, j'ai pas fini mon entraînement de base. Je vais tester le. Alors, le courir sur espace et la compétence sur shift, c'est pas très intuitif. Moi, j'aurais plus tendance à mettre la compétence sur espace et l'accélération sur shift. Maintenant, faut le jouer à la manette. Ah, d'accord, non, le mur il se pose toujours droit, d'accord. C'est intéressant en mode défensif. Ouais, c'est injouable au clavier en fait. Voilà, protéger d'un tir. Okay. Allez, tirer un objectif. Tirer sur un objectif. Ouais, sûrement pas avec le ballon, je pense. Mais il va me marquer un but ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui,
Ouais, c'est pas méga intuitif tout ça. Tirer sur un objectif. Bon, on va récupérer le ballon. Je sais pas ce qu'il voulait dire marquer un but, hein, tirer sur un objectif. Ça. Tirer sur un objectif. Marquer un but. Ok. C'est trop dur au clavier. À mon avis, je ferai un autre test à la manette. Alors, on a débloqué le tutoriel avancé, on va le faire. Ok. On va réessayer. Ah, ce coup-ci c'est passé. Erreur de matchmaking contre les bots, c'est quand même pas mal. Hein. D'accord. Non, c'est sympa. Enfin, c'est des bots, hein, faut passer. C'est sympa, mais faut pas le jouer au clavier. C'est manette au clavier. En avant, vas-y. Où suis-je? Comment je tire? J'ai fail, j'ai oublié qu'il fallait recliquer. Ouais, le double clic, mince. Je me suis embrouillé sur le bouton. Non, faut jouer à la manette. Hein. Vraiment, au clavier, c'est tellement totalement impossible. Hein. Tu me fais quoi là? Double prise de balle. Allez, ce coup-ci on va marquer. Ou pas. J'ai trop mal au doigt là. Tirer, il allait m'attaquer. Mince, je retombe dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui?
au clavier, c'est trop difficile. Franchement, le jeu, il vaut le coup. Après, j'aurais presque regretté. Ah, ben oui. J'aurais presque regretté quelque part que la caméra soit si loin, quand même. Ça, c'est un peu dommage. Oh, le bot qui joue avec moi, le pauvre. Il doit être dépité. Il va arrêter. Mais il va mettre un but? Mince! Oh la ligne! Non, non, mais il faut une manette là. C'est pas possible, j'ai des crampes. Il valait mieux qu'il fasse lui-même le boulot parce que s'il comptait sur moi, c'était pas la peine. C'est bien, bon bot. Oh, c'est dommage, là on avait fait une belle action. Non, j'arrive pas. 1 minute left. Ouais, j'arrivais pas à m'en sortir. Sérieux, comment il a fait pour réussir à passer quoi? Eh non, dommage. C'était bien pensé et c'est pas passé. Bon, je commence à le prendre un peu en main. C'est un peu la fin du match, mais c'est pas grave. C'est la remontada. On perd le match là-dessus. On perd le match là-dessus. Allez, overtime. C'est prolongation. Bon, il est fait, il est fait. Faut le jouer à la manette, ça c'est sûr. Ouais, en multi, ça doit être super amusant, quoi. Ça doit être nerveux. Bon, là, je me sers pas trop des. Je me sers même pas du tout des. Ah, des capacités spéciales. On va y arriver? Ouais! Je me sers pas du tout des capacités spéciales, mais le mur, il m'a quand même servi. Je pense que voilà, les capacités spéciales sont au cœur du gaming, enfin du système de jeu. C'est à voir. Oui, forcément, c'est le bot qui finit le premier. Non, c'est fun. Franchement, il est intéressant. Alors, est-ce qu'il va au Disc Jam? Je pense pas, parce que Disc Jam est super nerveux, la caméra est un peu plus proche. Mais ça peut être intéressant, à voir. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Si le matchmaking est long ou pas. Mais je ferai quand même un nouveau test avec la lanette, ça devrait être. Allez, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt tout le monde. Bye.